Nous prenons le sentier afin de pouvoir admirer le cœur de veau. Le sentier est bordé de buissons. Sentier relativement escarpé et surtout en très très mauvais état puisque nous avons dû abandonner notre 4x4. Nous commençons à avoir une belle vue sur le lagon. Dur, dur, Pierre, hein? Très dur. Très dur. Mais regarde le panorama, admire. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est joli. Oui. Le paysage est parsemé de buissons de niaouli. Parfumé. Allez, Pierre, courage. Songe au malheureux bagnard qui était ici avant toi. Et qui ont tant souffert, alors que toi, tu peux te doucher deux fois par jour avec du gel douche frais et onctueux qui laisse ta peau douce et satinée. Oh. Quant à la tienne... Voilà la barrière qui signifie que de toute façon, il est absolument impossible de monter plus haut en 4x4. Le petit parking des 4x4, ouais, sauf qu'avant. On aurait complètement anéanti notre train de pneus. Nous poursuivons notre ascension de plus en plus difficile. Mais quel beau point de vue! Cherchons-le dans la mangrove. En réalité, il ne se voit bien que vu du ciel. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'il soit resté si longtemps secret. On peut toujours se consoler avec cette magnifique vue sur le lagon. La mangrove s'étend si loin. Quel paysage fantastique quand même. Amorcer la descente.
sans doute fort déçus de ne pas avoir aperçu le vrai cœur de veau l'ont dessiné là. Ils l'ont tracé avec des pierres. C'est pas vraiment ça. Alors, il est temps de redescendre hein, maintenant. Oui, absolument. C'est beau et surtout c'est tranquille. Ouais. Nous sommes seuls. Ouais. Allez, viens. À Koumac, nous avons pris la transversale pour nous retrouver du côté est. Nous pouvons voir l'intérieur de la Calédonie. Quel silence! Nous sommes à présent sur la route de Bondé, où nous partons sur la trace des missionnaires. Le paysage avant Wegwa. Le Diao, le seul fleuve de la Nouvelle-Calédonie. Il est long de 50 km. Et ici, il traverse Wegwa. Voilà, sous le soleil du dimanche de Pâques. Les paysages toujours aussi beaux après Wegwa. Beau, calme et impressionnant. Nous voici devant l'établissement thermal de la Croix. Nous avons avec nous la compagnie des gendarmes. Les installations sont extrêmement sommaires. Ça sent le soufre. La composition de l'eau est, paraît-il, identique à celle qu'on trouve dans les eaux thermales pyrénéennes. Donc très bonne pour les rhumatismes, les voies respiratoires. Environ 42 degrés.
Un petit bain ne te tente pas? Pardon? Un petit bain ne te tente pas? Pas du tout. Le cadre est paradisiaque, mais franchement, les installations, non. Le site était exploité jusqu'en 82-84, mais a dû cesser avec les incidents Nouvéa. Car tout a été caillassé, saccagé dans le secteur et les colons ont fui. Pierre s'apprête à franchir le creek. Nous sommes sur la route à horaire au col de Petchekara. La vue magnifique. Nous avons laissé derrière nous Kanala et nous nous dirigeons vers Thio. Pierre étudie l'itinéraire. Cependant, il n'y a qu'une piste. Le panorama est tout à fait exceptionnel. Et quel silence! La route à horaire, c'est fini. Quand on dit la route, il s'agit plutôt d'une piste. Et voilà. En bas donc de cette route ou de cette piste, comme on veut, coule la rivière. La rivière de Thio. La plage d'Uroé avant Thio.